Là, c'est dur, on a l'impression que qu'il n'y a rien qui coule en notre faveur. Alors qu'à un moment, quand on revient dans le match, on se dit putain, ça y est, la situation, ça va enfin de notre côté et ça va enfin nous sourire. Après, voilà, ce soir, on est très déçus, on est très tristes, parce que je pense qu'on a mis beaucoup d'œuvres à l'ouvrage. Et il reste encore, on est la 11e journée, c'est ça, il reste encore 15 matchs, on va se battre. Et le maintien, s'il faut aller le chercher avec un point de bonus offensif sur la dernière journée, on ira le chercher sur la dernière journée avec un point de bonus offensif. Je pense que depuis le début, on s'est déjà grillé tous nos jokers. Maintenant, c'est tous les matchs, il faut les gagner, tous les matchs, il faut ramener un point. Même une prestation, si on perd 5 points, il faut que tous les matchs soient bons pour qu'on puisse construire quelque chose. Aujourd'hui, on est à 2 victoires. Je pense que le maintien, il va se jouer à 10 victoires, il ne faut plus calculer. Seule chose positive, c'est encore on a gagné un point ce soir. Parce que à la fin de saison, chaque point va compter. Et nous, il faut qu'on aille à l'extérieur. On a prouvé la semaine dernière qu'on est capable, contre Clermont. Et est-ce que c'est la semaine prochaine, on va faire un coup? On ne sait pas, mais on est capable d'aller à Pau, etc. Et gagner à Bayonne. Je crois qu'on peut gagner. On peut gagner partout. C'est juste une question d'avoir un arbitre juste qui va jouer le match, faire arbitre le match correctement pour les deux côtés. Et on a une chance. C'est ça, on a besoin pas d'avantage. On a besoin juste d'un match arbitre, avec un arbitre qui regarde les deux côtés. Notre survie, elle est en jeu depuis quasiment le premier match, hein, depuis le début de la saison. Sauf que le groupe est courageux, le groupe est solidaire, le groupe travaille. On fait des bonnes choses. Le groupe n'a surtout pas éclaté, le groupe est super soudé. Et moi, ça me fait de la peine. Enfin, on est vraiment abattu par cette situation. Je trouve que c'est véritablement injuste.